Enfin. Enfin. Endlich. Endlich. Enfin. Je le mérite. Enfin. Endlich. Je te sens. Ich fühle dich. Ich fühle dich. Ich fühle dich. Je te sens. Ich fühle dich. Ich fühle dich. Das heißt, das heißt, das heißt, das heißt, dein Körper fühle ich. Dein Körper fühle ich. Ja! Und endlich, endlich, endlich bin ich hier. Endlich bin ich hier und ich kann's endlich fassen. Ha, endlich, endlich. Du hast alles in mir in Brand gesetzt. Alles, alles in mir hast du in Brand gesetzt. Je suis tout feu, tout flamme, en te voyant. Je suis prêt pour ça. Je suis prêt. Ich bin bereit. Komm, 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 Baby. Komm, komm. Gib's mir. Gib's mir. Exakt, exakt. Oui, 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 oui. Dann, dann, dann. Tu me le donnes. Tu viens. Hein? La langue maternelle, très clairement, c'est le français. J'ai commencé. C'est assez drôle. J'ai commencé à parler en fait l'allemand parce que les 5 premières années, j'étais à Göttingen. Et puis après, on allait à Neuchâtel, en Suisse romande, pendant environ 20 ans. Et puis les 3 dernières années, ou 4 maintenant plus ou moins, je suis revenu à Zurich. Et puis pendant ces quelques années à Neuchâtel, je parlais pratiquement plus l'allemand. Et j'ai recommencé en fait à reparler l'allemand quand je suis arrivé ici à Zurich. Tu fantasmes. Tu fantasmes. Tu. Je préfère prendre le français au début quand je répète parce que j'ai l'impression que le français c'est une langue qui a eu le temps de passer dans tout mon corps, tu vois. J'arrive à parler en ayant l'impression vraiment, une fois de plus je vais me répéter, mais que mes pieds et mes jambes, ça peut sembler un petit peu bizarre ou ésotérique ce que je dis, mais ça fonctionne comme ça, en tout cas pour moi. J'ai l'impression que je parle, tu vois, c'est Raphaël en entier. Et quand je parle en allemand, c'est souvent, c'est Raphaël ici, tu vois, qui parle. Jetzt bist du perfekt. Du bist reif. T'es comme une pomme, tu es venue rouge. Tu es la pomme rouge, maintenant tu es prête pour moi et je peux te prendre. Hein? Jetzt bist du perfekt. Du bist jetzt Frau geworden. Oder? Ouais. Du bist jetzt Frau. Frau. Und doch, diese kindliche Straffheit. Et même si t'es devenue une femme, et même si t'es devenue une vraie femme avec toutes les formes, malgré ces formes, tu as gardé ce côté enfantin, ta peau. Hein? Diese Straffheit. Diese kindliche Straffheit. La différence entre il y a 3 ans et demi, 4 ans et puis maintenant, c'est énorme la différence. Parce qu'au début, j'étais tout content si j'arrive à dire une ou deux phrases juste. Tu vois, j'avais, si tu veux, quand j'ai commencé l'école, j'avais, je pense, à tout péter, 5 phrases que je savais elles étaient justes, tu vois. Alors je me réjouissais tout le temps du vendredi parce que je savais ich wünsche dir ein schönes Wochenende, tu vois. Je savais que c'était juste et je savais le dire plus ou moins mit, also ganz rein, weißt du, akzentfrei. Et puis maintenant, je me permets de faire des erreurs, je parle beaucoup plus, mais je sais que c'est en parlant beaucoup plus que je vais apprendre beaucoup plus rapidement. C'est promis. Endlich, endlich. Du hast alles in mir in Brand gesetzt. Ich weiß, wem du gehörst und ich fühle dich. Dich, das heißt deinen Körper. Dein Leib, wie er atmet. So keusch. Aber ich schaff's. Aber die Wollust zersetzt sich. Es zersetzt sich. Ist für mich, also, gar nicht klar. Mhm, aber das, also... Aber das kommt noch. Naja, aber es ist einfach... Es geht einfach komische Bahnen, ne? Dass er erst so sagt, ich will's auskosten und dann merkt er so... Ich kann's nicht. Ja, aber es, weißt du, auf Französisch habe ich
habe ich das Bild nicht oder sogar auf, also Deutsch, Französisch, ich sehe es gar nicht. Also was ich damit wirklich sagen will. Die Wollust zersetzt dich. Il y a des expressions en allemand, ben, je les ai jamais entendues, tu vois. Alors qu'on me les explique, moi c'était bien joli, hein, mais j'arrive pas à me faire des images, je suis assez perdu, tu vois. Alors qu'en français, j'ai une expression, je les connais pas toutes non plus, tu vois, mais je les ai entendues plusieurs fois, on me les a expliquées depuis que je suis enfant, elles ont eu le temps de passer une fois de plus dans tout le corps. Donc, je comprends beaucoup mieux, quoi. Du glaubst nicht, in welchem Zustand ich mich befinde. Ich lechze. Seit du mir diese kleine Orgie in Aussicht gestellt, ist mir Nacht für Nacht, als hätte ich dich schon. Und nun bin ich da. Und du auch. Soll ich lieben und sterben? Ich muss meiner Schwärmerei Ausdruck geben. Wenn sie mich nicht zum Lustmörder machen soll. Es ist herrlich, dich so zu hören. Ich möchte einmal einem Lustmörder in die Hände geraten. Mon bilinguisme pendant, on va dire, les trois premières années, plus ou moins, c'était clairement pour moi un handicap. En tout cas, je l'ai vu comme ça. Et puis maintenant, ça fait justement une année, plus ou moins, où je commence à voir ben, l'avantage, tu vois. Puisque par la suite, je vais aussi sortir de cette école. Je vais pouvoir jouer en France, en Suisse romande, en Belgique. Je pourrais jouer, mais aussi justement en Suisse allemande, en Allemagne et en Autriche, tu vois. Donc le territoire, la géographie... pour moi, c'est beaucoup plus large. Allen Fingerspitzen fühle ich die Umschlingung. Ich glaube nicht, dass ich noch hinaufgelange. Ist doch nicht nötig jetzt. So straff kannst du den Bogen nicht spannen. Wenn ein Funken Seele in dein Körper ist. Ich will die Matte auskosten. Dein Leib, wie er atmet. So keusch. Lass mich aufstehen! Oh Gott! Jetzt! Vorbei? Oh Gott! Steh auf! Wie kann ich aufstehen? Na komm! Wie kann ich an die Fresse? Na komm! Sie hat dein Gehirn, bitte! Gib mit! Geh matt an mein PC, du Kloake, du Miststück! Du Fotze, Träne de Mer! J'ai déjà commencé par choisir Zurich, donc cette école, parce que je voulais de nouveau apprendre l'allemand, puisque l'allemand, j'aime beaucoup cette langue. Et puis aussi, c'était tactique, d'une part, et puis après, il y a eu un avantage culturel. Donc tactique, on a parlé de la géographie, mais culturel, puisque quand on est à l'école en Suisse romande, le grand cliché, c'est Victor Hugo, c'est Molière, c'est Racine, et puis Maupassant, et ainsi de suite, tu vois. Alors qu'ici, on a Schiller, Goethe, und so weiter. Donc rien que là, pour moi, le bilinguisme, ça m'ouvre des nouvelles portes. C'est clair que les deux côtés parlent principalement d'amour et puis de la vengeance et tout ça. Bref, des thèmes très basiques, tu vois, mais ils les racontent différemment. Ich wollte ein bisschen früher. Ja, dann lässt bis jetzt habe ich es nicht gemacht. Also bis jetzt, es war